Salut les gaufrettes et bonne année! Bonheur, santé! Nous vous souhaitons plein de bonnes choses! Bon, pour la recette du jour, on va passer à un peu du salé. Ah bon, mais avec un carreau de chocolat quand même! Tu peux essayer, un peu bizarre quand même! Découvrons la recette avec le jeu de mercredi! On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour les pestos, il faudra 2 œufs, 180 g de farine, un demi-sachet de levure, 20 g de gruyère râpée, 70 g de pesto, 50 g d'huile, 100 g de jambon cru et du poivre. Je sépare les blancs des jaunes et j'émulsionne les blancs. Dans un cul de poule, je mélange à la spatule la farine, la levure, l'huile, les jaunes, le gruyère et le pesto. J'ajoute les blancs émulsionnés, le jambon cru coupé en dés et le poivre. Je remplis deux moules à madeleine préparés et posés sur une grille froide. Tu te souviens, n'est-ce pas? Un moule en silicone ne se beurre pas, on doit l'humidifier et le poser sur une grille froide. Ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 12 minutes. Pour les Munster cumin, il faudra 75 g de beurre salé, 120 g de farine, un demi-paquet de levure chimique, 2 œufs, 25 g de gruyère, une cuillère à soupe de graines de cumin, 100 g de Munster en dés, du sel et du poivre. Je fais fondre le beurre 30 secondes au micro-ondes. Je sépare les blancs des jaunes et émulsionne les blancs. Dans un cul de poule, je mélange la farine, la levure, les jaunes, le beurre fondu, le sel, le poivre et le gruyère. J'ajoute doucement les blancs émulsionnés, puis j'ajoute les graines de cumin et le Munster. Je remplis deux moules en silicone préparés et posés sur une grille froide. Si une alvéole reste vide, remplis-la d'eau pour ne pas abîmer ton moule. Ça part au four préchauffé à 210 degrés pendant 10 minutes. Alors, même sans carreau de chocolat, ça le fait quand même. Ah mais trop! Parfait pour l'apéro. Dis Maëlys,
te rends-tu compte que nous venons d'attaquer notre troisième année de vidéo? Ah mais oui, c'est vrai! On est tellement bien en votre compagnie qu'on voit même pas le temps passer. C'est déjà terminé pour notre première recette de 2020. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.